Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la vie symbolique avec Jean-Antoine Pajot, Jean-Philippe Marceau et aujourd'hui aussi Georges Elias, que vous reconnaîtrez sans doute parce qu'il a déjà participé au podcast, puis aussi euh, c'est un contributeur euh, régulier au blog euh, qu'on a en français. Puis, j'ai justement invité Georges aujourd'hui pour nous parler de deux articles qu'il a publiés cette année sur euh, l'espace et le temps, où il utilise les travaux de Jeremy Peterson et aussi Mathieu Pajot. Donc, euh, sans plus attendre, Georges, peut-être qu'on peut commencer avec un, un résumé du premier article, puis on va naturellement euh, avoir une discussion autour de ça, puis ensuite on passera au deuxième. Ouais, en fait, euh, le premier article, c'est au sujet de l'espace en fait. Mmh. Et, et moi, je me souviens personnellement quand j'ai commencé à penser d'une manière symbolique, ça avait vraiment commencé avec Jordan. C'était vraiment la première fois où peut-être je voyais l'élégance de pouvoir penser à travers des catégories masculin-féminin. Dans, dans son livre, il, il insiste lui, vraiment, la dichotomie qu'il a, c'est vraiment sur l'ordre et le chaos. Et il arrivait vraiment à faire comprendre comment un, extrait, un excès d'ordre et de fermeté, ça pouvait causer une certaine tyrannie, alors que l'excès de chaos, ça dissipait tout et ça ouvrait tout et on pouvait s'y perdre. Et puis alors, quand j'ai lu le livre de Mathieu Pajot, j'ai remarqué que, que lui, il ne travaillait pas uniquement avec une dichotomie, mais il avait plutôt une cosmologie avec quatre. Genre, c'était le, le ciel, la terre, l'espace et le temps. Et donc, naturellement, quand j'essayais de penser à, à voir, OK, quand on parle d'ordre et de chaos, euh, est-ce que c'est plutôt l'espace et le temps Est-ce que c'est plutôt le ciel et la terre Ce serait quoi la relation entre, entre tous ces principes je pense que tout ça, ça marchait vraiment inconsciemment. J'essayais vraiment de réconcilier ça inconsciemment. Et, et je pense, et quand j'écrivais ces articles, je pense vraiment que je suis venu à la conclusion que quand, donc pour parler de, de, du premier article, euh, que lorsque Jordan Peterson parle de l'ordre et du territoire connu, lui, ce qu'il veut dire, parce qu'il étudie ça d'un point de vue psychologique et phénoménologique, donc il commence tout le temps du champ de l'expérience et euh, des études en neuropsychologie qui nous, qui nous font savoir que on a, toujours, on, a, on a toujours, une sorte de théorie qu'on impose au monde. Ça c'est une façon un peu informatique de la mettre. C'est pas vraiment comme ça que ça marche, mais on veut, on imagine comment le monde veut, on désire que le monde soit d'une certaine manière. Et lorsque nos prédictions, lorsque nos désirs que le monde se en manifeste d'une certaine manière sont en accord avec les faits du monde et que le monde euh, montre qu'on a raison de penser ça, toutes nos émotions sont régulées et et on, peut, on continue de manière stable en ignorant tout le reste. non on a tendance à penser peut-être que ça, c'est la situation normale d'être euh, calme et stable et que on n'est pas peut-être une, multipli une multiplicité d'émotions en conflit et en compétition. Mais en fait, ça, c'est uniquement le cas lorsque nos prédictions, et même inconscient, nos, nos plans qui seront long terme. Donc, si on a une mauvaise note, par exemple... Euh, c'est peut-être un plan long terme qui, qui est inconsciemment le fait que toute mon émotion est régulée parce que d'un point de vue long terme, je pense que je vais réussir à l'université pour avoir un job éventuellement. Donc tout ça, à chaque fois que le monde juste s'accorde avec nos prédictions, on pourrait dire que c'est une manifestation de l'espace ordonné dans la psychologie de Jordan. Ça, c'était un peu long. Et, et donc j'ai remarqué que lorsque Mathieu Pageau nous parle de l'espace, c'est vraiment, vraiment ça, mais d'un point de vue métaphysique. Donc, oui, ça peut se manifester à l'échelle individuelle lorsque nos plans s'accordent avec les faits du monde. Mais, mais d'un point de vue métaphysique, lorsque le ciel et la terre s'unifient, euh, c'est la manifestation de l'espace. Et je pense qu'il y a plein de ramifications à, à ça. Mais Donc, ça, ce serait peut-être un peu le, la genèse de cet article et qu'est-ce qui m'a fait penser à le faire. Ouais, peut-être euh, une question que j'aurais pour faire suite à ça. Euh... C'est que, peut-être bah, une question pour Jonathan, en fait, là, parce que je me demande à quel point c'était c'était explicite pour, disons, toi et Mathieu, depuis longtemps, cette idée-là euh, que l'espace, c'est le territoire connu où euh, nos théories s'accordent avec les faits. Parce que, de ce que je comprends, en psychologie, ça fait pas si longtemps que les gens ont commencé à concevoir euh, les choses comme ça. Puis, je n'ai pas vraiment vu ça, ce genre d'idée-là, non plus, tu sais, dans euh, la philosophie... Plus classique. Fait que je suis curieux de voir, euh, disons, d'où est venue cette idée-là pour, euh, pour toi et Mathieu. Puis, si c'est quelque chose d'un peu nouveau que vous avez redécouvert, ben, pourquoi est-ce qu'on n'en parlait pas pendant longtemps? Mmh. Ben, honnêtement, c'est vraiment. Ça, c'est vraiment une idée de Mathieu. Je, moi, je ne pense pas exactement de la même façon. Euh, je trouve que, que c'est vraiment utile. De, de, la, la structure est très utile. Euh, mais il faut. Il faut toujours, faut toujours faire un peu attention parce que, tu sais, il faut prendre la façon dont il décrit les catégories qu'il décrit au sérieux. Euh, parce que, tu sais, des fois, c'est pas aussi simple que de dire espace et temps. Parce que tu dis, bon, le temps, tu sais, il y a une façon dont le temps, il ressemble à l'espace. C'est quand le temps est ordonné, puis quand le temps est, 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 est qualifié, on pourrait dire. Euh, fait que, moi, c'est comme ça que je le prends. Tu sais, j'ai l'impression que c'est certain que Mathieu y offre il offre des catégories qui sont importantes et nécessaires par rapport à Jordan. Je trouve que Jordan, lui, ce qu'il offre, c'est trop simplifié. Là. Parce que lui, il y a l'ordre et le chaos. Puis là, il ne distingue pas l'ordre de l'espace habitable, on pourrait dire. Pour lui, ça, c'est l'ordre. Puis après ça, il y a le chaos. Mais Mathieu, c'est bien ce qui est qui, qui différencié parce que c'est comme si tu as le ciel, tu as les principes, puis là, tu as le chaos. Euh, qui est comme un, 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 disons, la, vari, la variabilité ou, le, ou quoi que ce soit. Puis, le, la, le, la, la Terre, c'est quand le ciel et la, et la Terre. Excuse-moi. L'espace, c'est quand le ciel et la Terre sont connectés. Puis, le temps, c'est quand le ciel et la Terre sont déconnectés. Puis, ça, ça fait que. Puis, tu ce qui est important, qui, qui fait que des fois, c'est un peu mélangeant, c'est que quand le la ciel et la Terre est connectés, L'espace ressemble au ciel, c'est-à-dire qu'il y a une connexion entre l'espace et le ciel. Puis quand le ciel et la terre sont déconnectés, bien là, le, le temps ressemble au chaos. T'sais, ça rapporte que la droite et la gauche un peu, parce que la droite, c'est comme un c'est un, un représentant du centre. Puis la gauche, c'est un représentant de la périphérie. Euh, fait j'ai l'impression que c est, c est, les catégories que Mathieu offre sont très utiles parce que Souvent, Jordan parle, puis là, tu vois que quand il parle, il, il « slip » entre les deux. Il, il glisse entre la notion de, de, du ciel et la notion d'ordre. Parce que l'ordre, dans le monde, c'est pas le ciel. C'est la hiérarchie, c'est la montagne, c'est la façon dont les la terres sont unies. Euh, puis, c'est ça. Puis, le, 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 le désordre, tu sais, ou le, le changement, tu sais... Ce n'est pas nécessairement tout simplement le chaos, c'est comme d'autres choses, c'est une transition en deux, deux identités. Euh, en disque, que ça, ce que j'ai l'impression, c'est que Mathieu a vraiment les bonnes, les bonnes catégories pour donner un équilibre à, au, à, au processus de, de transformation, mais c'est juste que c'est difficile si on le prend de façon trop les catégories de façon trop stricte, parce qu'on pourrait dire que la périphérie est l'équivalent du temps. Puis la, la, le, le cycle ou le, le temps qualifié ou la fête, toutes ces choses-là, c'est l'équivalent de la Terre, euh, du, de l'espace, dans son. Dans son de, de ce que je mélange les termes. Que, que, que un, un, un cycle qualifié, c'est l'équivalent de l'espace, parce que c'est comme un cycle qui, qui, qui est contrôlé puis qui est qualifié par des identités. Je ne sais pas ce que lui dirait, mais moi j'ai l'impression que c'est ça qui est important de, de faire comme, comme distinction, parce que si on le prend trop, si on prend sa catégorie de façon trop littérale, euh, ça crée des. Ça, selon moi, ça crée des problèmes. Mais, euh, mais si on comprend ce qu'il veut dire, ce que moi j'ai l'impression qu'il veut dire, c'est vraiment parfait parce que ça l'aide à, à, à rendre beaucoup plus subtil puis à, à mieux comprendre la façon dont les identités et puis la, la transformation se passent. Mm -hmm. Je sais pas, Georges, si tu as déjà une suite à ça, mais tu sais, j'aurais des idées peut-être de comment, euh, comment Mathieu et de répondre, là. mais si c'est toi qui écris l'article, si tu as déjà une idée, je vais te laisser euh, y aller. Euh, non, moi, juste, je trouve que c'est un très bon point, ce que tu as fait en, en disant que, que Mathieu, il clarifie vraiment, il met vraiment de l'ordre dans, dans les catégories que Jordan mettait, parce que, on, comme tu dis, il confond parfois le langage, comme quoi, quand on parle, par exemple, de Dieu qui utilise le mot... Euh, ou la lumière pour dans le chaos dans le chaos du début il dit he impose order on chaos mais parfois il parle de, de, de l'ordre l'ordre du chaos comme étant l'espace et le temps donc donc comme tu dis moi j'ai trouvé que c'était très utile d'avoir cette cette séparation et et oui et, et je pense aussi que c'est très important de faire la distinction entre le fait que l'espace ça serait le représentant du ciel dans la manifestation et non pas le ciel lui-même et, et je pense quand on entend Jordan, par exemple, parler du Père en montant que manifestant de l'espace et parfois le confondre avec le père de la Trinité, je pense que c'est exactement ouais. l'erreur que tu pointes, non? Ouais. C'est sûr que ça, c'est une erreur qu'il fait constamment. Euh, il, 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 il mélange l'idée du, du passé, tu ou de l'ordre qui, qui, qui est dans le passé euh, avec le père de la Trinité, mais tu sais, c'est pas, c'est pas. Il n'y a aucune. Le, le père que les gens vont chercher dans, dans mmh. le, le, la vrai. mort, c'est juste pas le père de la Trinité, c'est Adam, ça, ça, ça a du sens, mais c'est pas, pas la Trinité. C'est sûr que selon moi, il y a des confusions dans, dans sa pensée à ce niveau-là. Euh, Puis c'est ça, mais on peut quand même comprendre ce qu'il dit. C'est ça, c'est ça aussi là, parce que disons. Je veux dire, tu as besoin d'une distinction pour bien comprendre. Puis après ça, je lui dis ben, Mathieu, j'ai l'impression que tu as besoin aussi d'une autre distinction parce que c'est fractal hein, c'est ça aussi le problème, c'est qu'on m'a dit à cause que c'est fractal, ben là tu vois, tu, comme, tu dis ben l'ordre dont le ciel, ben c'est l'équivalent du, du, de l'ordre dans le monde, mais oui et non, c'est ça le problème, c'est que oui d'une certaine façon, mais non si tu si tu les confonds tout simplement. Là. Euh, mais ça ça serait pas si difficile pour Jordan de juste dire, disons la différence entre un, une différence entre le règne et le royaume, Ce c'est pas la même chose, là. le règne et le royaume c'est pas la même chose ou le, le la, dans la Bible c'est vraiment décrit comme l'idée du royaume est décrit comme comme euh, tu sais, ou genre la différence, entre le, le, la différence entre le grain et les fruits, t'sais. T'sais, Les grains, le grain, c'est vraiment le ciel qui descend, puis après ça, le, le fruit ou l'arbre que Jésus décrit, ben là, c'est le royaume, tu c'est la, le, le, la façon dont la structure se manifeste dans un particulier. Puis ça, c'est là, tu sais, ça, c'est le... Bien, à cause que c'est fractal, c'est compliqué parce que, dans le fond, là, après ça, l'ordre lui-même, disons, le royaume, il est fractal puis dans le royaume, il y a, il y a aussi un équivalent de l'aspect qui va vers l'ordre puis dans le, dans le royaume, un équivalent de l'aspect qui bouge vers le, le chaos euh, ou la variabilité. On peut le dire d'une façon positive aussi. Là. Euh, puis ça se passe toujours à tous les niveaux, tout le temps. C'est pour ça aussi que c'est difficile pour les gens de voir parce que c'est constamment, c'est fractal dans chaque identité. Ouais, J'avais l'impression que c'est ça qui se passait avec l'exemple que tu avais mentionné plus tôt, euh, par exemple du, du festival, d'avoir un, un cycle qualifié qu'on a à l'année, par exemple, là, parce que disons, les, les moments de, de festival, si tu les regardes comme comparativement à une journée normale, c'est un moment de temps. Euh, mais si tu les regardes comme compris dans une année au complet, là, ça devient ce que Mathieu appelle le méta-espace. Je pense que c'est exactement la fractalité qui fait que les catégories fonctionnent quand même. Là. Euh, mais ça peut être justement difficile pour des gens de comprendre initialement comment est-ce que tu l'appliques parce que ce que tu dis qui est le temps à un niveau, ce n'est pas nécessairement le temps à tous les niveaux. Ça se peut que ce soit de l'espace vu à un autre niveau. Euh, puis. C'est le même genre de principe que quand on parle de qu'est-ce qui est masculin ou féminin, par exemple. Là. Ce qui est masculin à un niveau peut être aussi féminin à un autre niveau. Donc, ouais. vois, le père de famille qui est masculin pour sa famille, mais qui est féminin par rapport à son prêtre, par exemple. Fait que ce, ouais. ce genre de relation-là, comme ciel-terre qu'on est habitué, qui soit fractal, on va aussi les voir dans l'espace et le temps, selon Mathieu, qui vont aussi être fractales, à mon avis. Oui, je pense que ouais. c'est ça. Puis, je pense que c'est la partie de, de, sa, de, de son livre que Mathieu y. Il... Il, il savait qu'il était intuit, qu avait été intuitivement euh, qu était intuitivement fort, mais que je pense qu'il doit encore développer jusqu'à un certain point euh, sa pensée. Là, il, 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 parce que c'est immédiatement la chose. Les gens qui lisaient le livre, c'est l'endroit où il y avait plus d'objections. Pas des objections nécessairement pour dire que ce n'est pas bon, mais des objections ou des questionnements, de dire ben là, comment ça marche C'est pas totalement clair pour moi. J'ai euh, l'impression que, que peut-être dans son prochain livre aussi, il va, il va nous donner des, euh, des, des pistes. Là. Il va avoir réussi à, à, à trouver une façon de l'expliquer qui va répondre aux questions. Bon, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est là où j'ai le plus de commentaires aussi des gens d'habitude. Euh, j'ai commencé un cercle de lecture là, sur le livre de Mathieu oui. euh, dans des cercles catholiques autour de moi. Là, puis souvent, c'est ça que les gens trouvent le plus flyé. les associations, comment ça se fait que l'homme, c'est plus le temps, la femme, c'est plus. Euh, Excusez, l'homme, c'est plus euh, l'espace, puis la femme, c'est plus le temps. Ce genre de choses-là, les gens trouvent ça flyé. Et euh, oui, comme ça. tu dis, ce n'est pas, pas, pas nécessairement faux, mais il va y avoir moyen de, disons, raffiner au mieux expliquer pour que les gens ne butent pas autant sur la notion. Oui. Oui, ça, il, 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 t'sais, puis il faut toujours prendre t'sais, dans, une, dans une intuition globale aussi, là, t'sais, que c'est tous des outils là, pour nous aider à comprendre le monde. Fait que des fois, les outils, il ne faut pas non plus trop les les, les idolâtrer, là, t'sais, parce que c'est dangereux. Euh, mais c'est sûr que moi, j'ai, en tout cas, moi, ces, ces quatre catégories m'ont donné beaucoup de clarifications, parce que moi aussi, je faisais l'erreur de d'identifier de tout simplement l'ordre l'idée sais, de... l'idée du ciel avec l'ordre, disons, on pourrait dire comme ça. Ou tu l'idée du ciel avec le royaume. Puis des fois, ça fait des, ça fait des problèmes. Et toi, d'habitude, tu utilises plus euh, gauche puis droite. Est-ce qu a... Est que dans ta tête, c'est la même chose? Mettons, l'espace, la droite, puis le temps, la gauche. Ou il y a une distinction de plus que tu veux faire? Bien ça, moi, j'utilise juste pas les mêmes catégories. Fait que moi, j'ai tendance à penser plus avec gauche et droite. Puis, tu sais, il y a comme une interpénétration des deux catégories, selon moi, l'espace le, et le temps. Parce que, tu sais, disons, imagine un espace, puis là, tu as, as un centre, tu une périphérie. Le, le, disons que tu as quelque chose qui se poussait de plus en plus vers la périphérie. ben tu à mesure qu'il se poussait vers la périphérie, ben il perd son identité. Il est moins connecté à l'identité, puis à un moment donné, il tombe dans un. Dans un espace de, de disons de manque d'identité ou de, de, de quelque chose qui n'est pas défini, d'indéfini. Puis là, dans ce moment-là, cette chose-là, elle est en processus de, de devenir le corps pour quelque chose d'autre, ou, de, ou de, de participer à une autre identité, ou, ou d'être la genèse d'une autre identité. Fait que on pourrait dire, bien, à ce moment-là, est, est dans le temps, t'sais. mais tu peux te faire tout le système sans... Parler de temps ou d'espace, tu peux juste utiliser l'espace. Euh, selon moi, tu peux faire la même chose aussi avec le, avec le temps. C'est-à-dire, tu as, as, as une version du temps qui est qualifiée, on pourrait dire le présent ou le, 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 la concentration, l'attention. Euh, Puis, les pères d'Église, ils parlent de ça, l'idée de, de Dieu qui est, qui est présent dans le, dans le présent. Là, euh, c'est comme une image de l'éternité, on pourrait dire. C est, c est, cet aspect-là du temps qui est comme l'idée de l'éternité ou du, du kairos et tout, ben c'est pas c'est pas, pas le temps comme ça. C'est un, un, autre, un autre aspect. Fait que c'est ça, selon moi, j'ai le plus tendance à utiliser ces catégories-là. C'est bon. Ouais, c'est très intéressant comme distinction. Et, et un autre, une autre chose que, que toi, tu avais pointé aussi, de comment peut-être la droite et la gauche sont en train de, de s'interpénétrer, c'est par exemple, si on lit le livre de Mathieu, on verra qu'il parlera de la droite comme étant le jugement, euh, de l'espace comme étant le jugement parce que c'est carré et il, il faut enlever tous les résidus et tout ce qui est dans la, dans la périphérie pour essayer de faire un espace stable et euh, du temps comme étant plutôt. Ce qui permet non pas la perfection, mais plutôt la complétion et laisser tout rentrer pour permettre une certaine complétion. Donc, il aurait, parfois dans le livre, il parle de justice et de. J'oublie maintenant comment c'est. Merci, ça merci, oui, compassion. C'est ça, alors que par exemple, parfois, dans, dans, euh, je me rappelle que tu avais écrit un article sur le fait que la main droite et la main gauche, de la perspective du logos, ça serait peut-être l'inverse où la main droite ça serait la, la compassion et la main gauche ça serait cette rigueur et cette justice là. Donc je pense que ça parle aussi de cette interpénétration du temps et de l'espace beaucoup plus plus, plus que juste simplistique les séparer. Oui, mais c'est sûr que tu moi la, ma compréhension de la droite et de la gauche ben même en partie avec Jean-Philippe, tu à des discussions qu'on a eu et tout puis ça fait des années que je réfléchis au problème de, de comment elle s'inverse, tu. Euh, puis j'ai l'impression que là, j ai, j ai, que j'ai saisi, là, que ça a le rapport avec la différence entre ce qui est appliqué à soi et ce qui est appliqué à l'extérieur. Euh, puis, puis en fait, il y a comme vraiment une inversion. C'est-à-dire la droite, euh, la droite appliquée à soi, c'est quelque chose comme la, la discipline, c'est une sorte de rigueur envers moi. C'est-à-dire c'est concentrique, c'est ça que j'ai. C'est expliqué, la droite, elle est concentrique. Fait que si la droite, est, elle est concentrique, quand je l'applique à moi, pour maintenir mon centre, je dois être discipliné, rigoureux et tout ça. Mais appliquer aux autres, c'est la compassion parce que c'est pour les laisser venir vers moi. Tandis que la gauche qui est, qui est appliquée à moi, elle est euh, dispersante. C'est-à-dire, c'est moi qui tombe dans le, la distraction, dans le. Dans, dans les choses qui me fragmentent, mais quand que je l'applique à l'extérieur, si je veux éloigner les choses de moi, là, la gauche devient jugement, puis exclusion, puis toutes ces choses-là, puis rigueur dans ce sens-là. c'est Moi, c'est comme ça maintenant que je comprends la gauche puis la droite. il y a, y a pas, y a, Pour moi, ça l'a réglé mon problème de voir. D'ailleurs, je lisais dans Jung, je lisais euh, Ayan, puis dans Ayan, il part de la gauche puis de la droite, puis tu vois qu'il glisse d'un côté puis de l'autre sans s'en rendre compte. Il va parler de, 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 de autant de la gauche comme étant euh, la, la, ce qui est croche puis, qui est, qui est, qui est, puis après ça, il parle de Dieu qui envoie les gens en enfer ou je sais pas quoi. Là, tu te dis, ouais mais là, c'est les, 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 les deux opposés. Um, anyway, c'est ça, ça que je vois comme la, la gauche à la droite. et J'ai l'impression que, en tout cas pour moi, penser comme ça, c'est très, très utile pour comprendre beaucoup de choses. Ouais, moi aussi j'avais trouvé que c'était très élégant cette, cette façon d'avoir par rapport à soi ou par rapport à l'autre et j'ai pas fini d'explorer ce, cette, cette lentille de, de réflexion et, et donc une autre chose peut-être dans le livre de Mathieu qui était, était difficile à accepter au début mais avec le, avec le temps j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment une, une, très, une façon très importante de voir les choses, ça a l'air simple de base mais c'est le fait que le bien et le mal. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. C'est que le bien et le mal du fruit, du fruit du bien et du mal, c'est l'espace et le temps. Lui, il est, il est très clair à propos de ça. Et moi, je me rappelle au début, j'avais, j'avais un peu de difficulté à, à accepter ça facilement parce que surtout quand on pense en anglais, evil, on n'a pas vraiment envie d'accepter que parce que lui, au final, lorsqu'il nous parle des branches du bien et du mal, c'est pour, c'est pour qu'à la fin, à la fin, le, le, la branche du mal, si elle n'est pas corrompu d'une certaine manière, elle va permettre le renouveau. Donc de base, quand on pense à des catégories de evil en anglais, j'avais du mal à, à accepter facilement que evil, c'était simplement le temps et qu'il y avait une certaine nuance. Mais vraiment, quand j'ai écrit ces deux articles au sujet de l'espace et du temps, et quand je les ai compris d'un point de vue, quand j'ai compris l'échelle psychologique, quand on expérience l'ordre ou l'espace connu ou la stabilité, expériment... l'expérience de cela, c'est le bien. Il n'y a pas vraiment de notre corps n'est pas en train de sentir de l'anxiété, nos plans sont, sont stables. Donc c'est vraiment une expérience, une bonne expérience, alors que le temps, même si, même si on n'arrive pas à voir exactement quelle prédiction c'est en train de nous, de, nous, de nous déranger, même si c'est dans le futur où c'est inconscient, on va vraiment le sentir comme quelque chose de mauvais ou quelque chose de mal. Donc, tout ça, je voulais juste appuyer sur le fait que oui, le fait que le droite, gauche, espace, temps, bien, mal, c'est aussi... Une autre facette de cette dualité, je pense que Mathieu, que Mathieu a apporté, que j'ai essayé de montrer un peu dans cet article, pourquoi ça fait du sens de penser comme ça. Mm -hmm. Oui, ben c'est bon. Tu sais, c'est sûr que ce qui est génial de la façon dont Mathieu l'apporte, c'est qu'il essaie vraiment d'éviter de, de, le côté a priori moral de la question de bon et ah. mauvais. Tu sais, il dit good and bad, tu sais, c'est-à-dire tu peux avoir une bonne pomme et une mauvaise pomme, c'est pas une question morale. Tu, sais, tu peux avoir une bonne voiture et une mauvaise voiture, c'est pas une question morale. C'est plus la façon dont la bonne chose, elle est en accord avec son identité et la mauvaise chose, elle n'est pas en accord avec son identité. Donc, elle a besoin du temps tu sais, ou du travail pour revenir. Tu sais, elle, 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 elle nécessite la transformation une sorte de... de, de elle nécessite un, un... quelque chose pour, pour la ramener à, à son identité. Là. Et puis c'est ça la, ça la, 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 la différence. c'est une bonne façon de, de le comprendre. Peut-être un, un follow-up que j'ai par rapport à ça pour des gens qui se posent dans la question. c'est euh, De, de première abord ça peut sembler comme... Euh... Presque un biais conservateur de dire les choses comme ça. Là. Ou euh, si automatiquement, l'espace, la structure, c'est ce qui est bien, puis euh, le, le temps, euh, c'est ce qui est mal, comme ça, il semble manquer quelque chose. Là. Mais j'imagine que c'est la façon dont c'est réglé ce problème-là, c'est en parlant encore de fractalité, ou c'est des fois, comme si tu regardes euh, les choses, en, en, si on reprend l'exemple du cycle. Euh, d'un temps qualifié, par exemple, pour un cycle liturgique à travers l'année où il y a des moments de carnaval, ben là, tu peux voir que quelque chose qui est, qui est du temps qui peut sembler mal à un niveau bas euh, va en fait être bon euh, parce que ça fait partie d'un espace plus haut à un autre niveau. Euh, oui, mais, mais ça... tu sais, c'est pas, c'est pas, tu sais, c'est pas. Euh, c'est ça qui est difficile, c'est que c'est pas une question de. Tu sais, c'est pas, pas tant que ça une question. Euh morale, c'est ça qui fait que c'est difficile. C'est pour ça que les mots, ils font que c'est différent. C'est difficile. Tu, sais, fait que tu pourrais dire le... le disons, le, le bien, c'est le vecteur d'identité, puis le mal, c'est le vecteur de variabilité. Euh, tu sais, mais la variabilité est nécessaire aussi, tu sais. La façon dont la chose, elle n'est pas totalement identique à son identité. C'est nécessaire pour que les choses existent. C'est pas... Euh, c'est pour ça que c'est difficile, parce qu'on est tellement habitué de penser de façon morale, que quand Mathieu, il, il présente des catégories, des fois, ça peut nous choquer parce que, en fait, j'ai l'impression que lui, ce n'est pas la question morale qui l'affecte tant que ça. C'est plus la, le, cette question-là de la façon dont l'existence existe. Mais tu sais, je pense que c'est même lui qui utilise l'exemple pour dire, je ne sais pas si c'est dans son livre ou c'est dans un autre, un, autre, un autre endroit, où il parle de la femme. Qui vient de l'autre tribu. Tu as, as, as des hommes, tu as une tribu, puis là, un donné, ben, les hommes, ils ont besoin des femmes. Fait que là, tu vas chercher une femme d'une autre tribu, puis là, tu l'amènes chez toi. Puis là, tout d'un coup, elle devient carrément un vecteur de, de l'étrange. Elle devient un vecteur de, de variabilité dans ta maison. Puis, puis là, après ça, ben, ton enfant, il a besoin de ce vecteur de variabilité-là, parce que sinon, ce serait juste toi. Ça, serait juste toi. Pour te multiplier, tu as besoin de ce qui est mal dans le sens de ce qui n'est pas toi. Pour que tu puisses, ton, ton identité puisse prendre plus de corps. C'est absolument nécessaire. C'est pour ça que c'est. En tout cas, moi, je trouve que ce qu'il offre, c'est vraiment puissant parce que moi aussi, j'ai tendance à dire, à sortir du, du côté strictement moral. pour essayer de voir que c'est des structures ontologiques, là, puis des structures métaphysiques. Euh... Sauf que ça ne veut pas dire que downstream, il n'y a pas aussi le côté vraiment bon-mauvais dans le sens moral aussi. Il ne faut pas juste dire c'est tout amoral et ce n'est pas grave. Là. Mais tu sais, il le, 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 y a quand même un. un y a, mais c'est ça. Il y a quand même un, un côté euh, comme ça. Là. Mm -hmm. ouais, je pense que c'est comme en métaphysique classique là, où une chose est bonne si la forme est bien atterrie dans, dans la matière. Puis euh, quelque chose est mauvais quand la forme n'est pas bien atterrie dans, dans cette matière-là. Euh, c'est bon, je pense. Georges, tu allais dire quelque chose Oui, je, parce que ce problème c'était vraiment un, un truc auquel j'ai pensé souvent parce que on peut clairement penser à, à Nietzsche directement. Alors, beyond Good and Evil, le fait que quand on va comprendre que le, le bien et le mal c'est juste l'espace et le temps, il y a vraiment et je peux le voir, genre vraiment, on peut le voir maintenant sur Twitter par exemple. Les gens actifs, je peux voir comment les gens vont mal comprendre ça et finir par par dire que le péché c'est pas si mauvais et tomber dans des simplicités qui sont pour eux-mêmes. On va ignorer ça, on va ignorer ça. Non mais, mais... je dis, garde, c'est 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 important honnêtement de voir comment la moralité elle est elle est elle est euh, plus un peu plus bas dans la structure que la métaphysique l'ontologie parce que c'est Regarde, yeah. le, le, le salaire du péché, c'est la mort. Mais ça, c'est juste vrai. C'est-à-dire que le, sal, le salaire de quelque chose qui transgresse son identité, c'est la décomposition. C'est le fait qu'elle cesse d'être. Puis ça, c'est la souffrance. C'est-à-dire que ça, de, ça veut dire de, se de, de devenir l'esclave de ce qui est étrange, d'être soumis à des facteurs extérieurs, c'est le salaire du péché, parce que là il y a des choses externes qui dominent sur toi puis qui te font souffrir. Mais ça c'est juste une description de la réalité. Mais est-ce que c'est vrai moralement aussi Ben oui c'est vrai parce que si tu pêches, tu vas mourir, puis tu vas souffrir, puis tu vas faire souffrir les autres, puis tu vas donner un esclave de ton péché. Puis ça va te, ça va te, ça va te, 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 te fragmenter. Puis tu Fait que c'est quand même Comment je peux dire? c'est Ça décrit vraiment la réalité. Puis ça le décrit d'une façon qui pourrait te déranger parce que là, tu peux pas juste faire comme ça. Tu sais, c'est vraiment juste, c'est même que ça marche. Tu peux pas l'éviter si. si c'est ça la mort c'est ça le péché c'est ça la vie c'est ça l'identité toutes ces choses là ils sont ils sont réels puis on décrit des vraies choses euh, mais ça, ça ça donne que c'est la façon dont on parle de ça ça s'applique autant à construire un, une galerie que, de, que de, de vivre la vie morale c'est à dire que si tu es, si tu suis pas le plan de ta galerie puis tu n'utilises pas les bons matériaux ben, c'est la mort. C'est juste ça. C'est vraiment la mort de ta galerie. Possiblement la mort des gens qui vont l'utiliser. Puis la souffrance. Ça va être la souffrance aussi. et, et, et donc, donc, je pense que ce qui est bien avec ça, c'est que donc, le péché... Donc, parce que comme tu disais, Jean-Philippe, pourrait, il pourrait sembler qu'il y a un biais conservateur dans le fait qu'on dit que le temps, c'est mal. Et... Donc, quelque chose que moi, j'ai trouvé qui était tellement, tellement élégant dans ce que Mathieu disait, c'était le fait que, d'une certaine manière, ça va dépendre… Il faut savoir interagir avec la bonne externalité. Donc, la, la, la femme qui est contre toi, donc qui est à l'extérieur de toi, comme tu disais, Jonathan, mais pas ton ennemi non plus. Donc, si on va intégrer une femme qu'on qu ne peut pas faire entrer dans identité qui est vraiment trop loin, et souvent, les femmes qu'on ne peut pas faire entrer dans identité c'est les mêmes femmes qui vont attirer notre désir. Donc, on peut voir comment… Il y a la même pattern, malheureusement, à l'échelle personnelle et à l'échelle extérieure. Et donc, après, on ne pourra pas la couvrir à cette femme-là. Donc, tu invites un principe. Tu dois devenir esclave d'un autre principe afin de la couvrir. Et je pense que le péché, ça serait plus ça que le temps lui-même. Donc, 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 oui, je... oui. ça, c'est une... Moi, moi c'est comme ça que je le comprends actuellement. Oui, parce que regarde, regarde la différence entre le péché puis... Et... Une autre relation avec l'aspect le, le, féminin ou l'aspect transformateur qui serait qui serait euh, différent. C'est-à-dire qu'une aventure, disons, tu pars à l'aventure, c'est ça. C'est tout d'un coup la, la potentialité, puis le, le côté euh, temps, là, ou le côté. Euh, le côté variation, ben, il peut venir, ça devient la gloire aussi. Parce que ça devient des choses que tu rajoutes à ton identité, qui deviennent une manifestation de ton identité, mais qui ne sont pas de toi. C'est des choses qui sont jointes à toi, puis qui deviennent comme une extension de toi en même temps. Ben, ça, c'est la gloire. Fait quand, quand je. C'est pour ça qu'on dit la femme est la gloire de son mari dans, dans, les, dans les proverbes. Euh, mais mais c'est ça. T'sais. puis Les enfants sont ta gloire parce que c'est comme une intégration de choses externes qui peuvent tenir ton identité, qui font juste comme agrandir ton identité comme ça, puis c'est comme si tu es comme une extension de toi. Euh, fait que ça, c'est un exemple de ça, mais il y a aussi un autre exemple de ça qui est, disons, euh, extrême, mais qui est la réalité aussi, c'est-à-dire, tu peux aussi euh, devenir, tu peux aussi souffrir vers la gloire. Tu sais, c'est ça un martyr. Un martyr, c'est quelqu'un qui souffre euh, par refus de se soumettre à une principauté externe. Il, 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 la chose externe, finalement l'aval, mais il y a une surprise de résurrection dans ce, dans ce processus-là. Fait que c'est pas comme si c'est juste centre bon, externe, méchant, toutes ces affaires-là. Il y a vraiment une autre, il y a vraiment, il faut juste être capable de le voir dans toute sa subtilité. Puis, comme, comme on sait, le même problème, disons, de, de t'sais, il y a un péché de droite, j'en parle souvent. Où il y a aussi le danger de saisir l'identité. Ou tu, sais, tu saisis l'identité, euh, ben là, ça devient comme un péché de, de droite. Puis là, c'est normal que, que l'extérieur va le dévorer tu sais, pour le. Fait tu sais, c'est pas. C'est pas. Euh... C'est ça, c'est beaucoup plus subtil quand tu vois vraiment c'est quoi les choses. Puis quand tu arrêtes de le voir au niveau moral, tu vois juste que. Comment je pourrais dire? C'est vraiment c'est vraiment comme. Voici, c'est quasiment comme scientifique. Tu sais, C'est-à-dire, si tu fais ça, c'est ça qui va arriver. Tu sais. Puis tu sais, souvent, d'ailleurs, c'est super intéressant parce que quand, quand Adam et Ève tombent dans le, dans le jardin, moi, j'ai l'impression que quand les gens disent oh, Dieu est maudit à Adam et Ève, moi, je pense que Dieu il a juste dit à Adam et Ève voici ce qui va arriver. C'est-à-dire, voici, ça, c'est la loi de l'univers. Tu sais, là, tu as fait ça. Là, maintenant, voici ce qui va arriver. Puis, tu sais, à la limite, il y a une façon, <laughs> une façon dont on pourrait vouloir ce qui va arriver puis le transformer en d'autres choses. Tu sais, Jésus, comment le martyr veut, il est prêt, il, il, il embrasse la mort. Là. Tu sais, il n'essaie pas d'éviter, est-ce ouais. que est un ça, ça devient une gloire pour lui? T'sais. Tandis que la personne qui pêche, puis qui se retrouve, je sais pas moi, qui se retrouve, tu es à perdre sa femme, puis tu tombe dans le chaos, il se retrouve dans la rue en train de prendre de la drogue, ben, lui aussi il souffre, et il meurt. Mais il... pas à sa gloire, à sa perte. Parce que tu on va tous mourir de toute façon. Dans, la... dans les proverbes, ça dit, les cheveux blancs d'un homme, c'est sa gloire. Mmh. Ça, c'est la, la mort. Ça, c'est la mort. Ça à dire ta mort peut être ta, ta gloire. Je n'avais pas fait ce lien-là. Mais c'est bien, c'est un cas extrême de. C'est une structure qu'on a toutes à des niveaux plus bas. Là. On le sait toutes là, il, y a, il y a plein de choses qu'on fait où on souffre pendant qu'on les fait. Ça peut être quelque chose d'aussi simple que le travail ou faire des tâches, ben oui. peu importe. Ou, tu sais, pendant que tu fais cette chose-là, tu sais que tu es en train de souffrir, puis c'est t'éloigner d'une identité confortable, mais c'est pour faire grossir ton identité sur d'autres choses. Puis là, une fois que tu as fini... Comme ce travail-là, cette souffrance-là, puis que tu as réussi comme à faire enfin, grandir ton identité, ben, ces choses là maintenant, ça fait partie de toi, puis c'est comme ta gloire, le fruit de ton travail, euh, etc. Puis comme c'est juste comme une structure de la réalité, puis le cas extrême, c'est la résurrection ou le martyr. Oui, puis il y a plein, y a plein de moments où euh, il faut que le monde, comment je veux dire, il faut que ton monde se défasse. Ça fait partie du processus aussi. T'sais, comme le baptême, c'est ça. Le baptême, c'est carrément la dissolution des mauvais mondes, la dissolution des faux mondes. Mais ça, tu as besoin du chaos pour ça. T'sais, le chaos, il fait son travail d'une dans, dans, façon vraiment importante dans ce, dans ce cas-là. Quand tu laisses tes, tes, ta, ton orgueil, par exemple, l'humiliation, c'est vraiment un, 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 un outil des fois intéressant pour aider les gens qui s'attachent à des identités à les laisser aller. Puis ça, c'est vraiment l'humiliation, c'est vraiment un outil de la, de la, de la mort. Là, et donc, je pense que ce que vous dites là, c'est vraiment parce que une des choses sur laquelle Mathieu insistait récemment dans la source académique qui est son Twitter, euh, c'était vraiment le, le fait que, par exemple, ou même dans son livre, que Adam et Ève, une partie de leur péché, c'est le fait qu'ils ont essayé d'avaler un fruit qui était trop loin pour eux trop tôt donc hmm. ça a vraiment rapport avec cette femme étrangère trop loin avec laquelle ils ont interagi trop tôt et qui les a donc empoisonnés parce qu'ils n'ont pas pu la couvrir donc qui les a amenés en exil et a vraiment détruit leur monde donc on peut, on peut voir dans cette pattern là un peu la personne qui comme tu disais finit par tomber dans la drogue et tomber dans la mort d'une manière plutôt reckless, pas par un courage mais plutôt parce qu'il s'est fait piéger et et je, pense, et, et, ça, et je pense ici il y a une, une indication sur comment sur, en fait on dit on dirait que si on accepte la branche du mal comme étant mal donc comme comme tu disais Jean-Philippe si on va travailler c'est de la souffrance on n'aime pas le faire ou, ou un martyr même c'est on accepte le mal comme étant mal et comme étant de la souffrance et de cette manière là il se transforme alors que dans le cas d'Adam et Eve ils partent également dans la mort et ils finissent en exil mais c'est pas mais c'est plutôt parce que ils ont été piégés là-bas par un désir et n'ont pas, d'une certaine manière, ils ont cru inconsciemment qu'ils pouvaient avoir tout bien sans, sans vraiment que ça soit mal, mais finir par être piégés de cette manière. Maintenant, c'est intéressant que tu dises, Jonathan, que le martyr parfois il veut même la mort, il y a même un désir qui vient avec. Ça serait peut-être plus mystérieux. Mais je pense cette distinction entre tomber dans la mort parce que tu es piégé, aller trop loin, trop vite, et tu étais gourmand et courageusement accepter le mal, ce qui va le transformer. C'est un peu comment je vois que le, la branche du la, le mal est inévitable, mais si tu l'acceptes tel, tel quel, il peut être transcendé. C'est un peu comme ça que, que je pense dans mon article. J'ai fini par l'avoir. Par la ça me rappelle ce que Jonathan avait dit sur le de Jonas, là, où euh, si si tu réussis à être connecté à un espace plus grand, on peut dire que là tu vas transformer ta mort en gloire, là, comme, en gloire, euh, ouais. Jonas, quand il est dans le ventre euh, de la baleine, euh, dans le texte, ça dit qu'il se rappelle de Dieu. Euh, fait que là, on vient en train de, de, de faire le lien entre euh, le cercle, l'espace plus haut, l'espace ultime qui est comme établi par Dieu, puis Jonas qui est au fond dans, dans la mort. Euh, puis grâce à ce lien-là, ben, toute la structure devient bonne au final. Euh, mais s'il n'y avait pas eu ce lien-là avec Dieu, ben, il serait juste mort. Là. Ça aurait juste comme terminé là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je pense que c'est peut-être de ça que Mathieu, quand il parle de l'idée de MetaSpace, meta euh, ça, ça semble être ça, c'est-à-dire le, le, la capacité. Mais je sais pas, c'est ça. Tu sais, moi, je ne comprends pas totalement l'affaire de MetaSpace. J'y pense. et je comprends un peu. Je comprends ce qu'il veut dire. Puis je pense que j'ai l'impression que, selon moi, dans ma façon de comprendre, ça a un rapport avec cette transformation-là, où, où le chaos, dans le fond, devient la chose la plus élevée dans le bon contexte. Euh, mais dans sa structure, je le comprends pas toujours parfaitement. Là, ça fait longtemps que j'ai lu son livre. En plus, il faudrait que je le relire. Ça fait que, genre, je la, quand, la dernière fois que j'ai lu, c'était avant qu'il le publie. 2017 ou 2018, dans ce coin-là. Oui, c'est ça. Fait que ça fait un bout. Cool, mais je pense qu'on a couvert Pas mal de matériel quand même. Je ne sais pas si, Georges, il y avait un autre sujet dont euh, tu voulais parler euh, de tes articles. Euh, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, ce qui était dans ma tête, ce qui, qui m'était venu en tête, c'était cette idée-là. Elle me semble qu'il est important, cette idée peut-être parce qu'en métaphysique, aujourd'hui, elle a beaucoup d'implications, hein, qui est le fait que le temps, c'est vraiment la nature des choses. Donc, il, le deuxième jour de la création, c'est rempli avec les eaux ou. Si on ne si travaille pas beaucoup et si on laisse les choses telles qu'elles sont, elles vont tomber dans cette désintégration et elles vont tomber dans ce chaos. Et, et l'espace, et, et ça a besoin d'un certain travail. Et, et pourquoi je suis en train de dire ça C'est parce que et vous avez taclé ça dans un, dans un autre podcast sur, par exemple, les problèmes de process philosophy ou, par exemple, comment Bernard o Castrop verrait sa métaphysique. Je sens parfois que il, 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 le naturalisme, si on, on accepte que le temps, c'est vraiment la, 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 la chose nat naturelle des choses, ils, ils ont tendance à vraiment rester avec cette réalité naturelle des choses où les choses vont être d'une certaine manière seulement en confusion et seulement dans un certain dynamisme, alors que dans le christianisme, la, vi la vision finale, c'est le baptême par le feu, non pas par l'eau uniquement. Donc cette idée n'est pas exactement claire dans ma tête, mais, mais je vois d'une certaine manière comment il y a ce refus du fait que les choses... Dans leur, état naturel, dans leur état final, excusez-moi, ou euh, le dans leur vision eschatologique, il y a un certain travail qui va être amené. Ce n'est pas juste l'état naturel des choses qu'on pourrait l'aimer. Et ça, c'est un sujet que je n'ai pas complètement pensé, mais je pense que ça pourrait être approprié à, à plusieurs discussions. Oui, il faudrait... faudrait faudrait que, que, que j'y pense. Je, je, je connais pas. Je pense que peut-être je connais pas assez bien le travail de Castro pour voir le lien entre, entre les choses que tu dis dit. Mais, ouais. euh, mais c'est sûr que. ouais c'est sûr que, que la. la... Ah, ça, je ne suis pas sûr. C'est vague pour moi. ouais Et même par exemple, juste cette dernière chose, même pour Young, parce que Castro est vraiment très influencé par Young. Si, si tu as lu Aion, à mon avis, là où j'en suis arrivé, je sens vraiment que... Lui, il commence à voir comme quoi euh, le Christ, n'est pas vraiment l'incarnation de Dieu parce qu'il n'est pas en train d'incarner ça son mauvais côté. Et je sens que parfois, c'est vraiment penser que cette union d'opposés qu'on confuse, qui est dans la nature, pour lui, c'est censé être ça Dieu et il n'y a pas ce, il y a pas une discrimination des choses qui va écarter. Certain... Je ne suis pas vraiment clair sur cette idée, mais Jung a cette... il a tendance à penser que Dieu, c'est juste l'inconscient et que que Dieu, c'est juste l'inconscient et que la conscience et la seule conscience, c'est l'humain qui, qui s'y ajoute. Donc, c'était ça ce que j'essayais de, de, de. Mais c'est ma faute, c'est pas vraiment clair, j'avoue. Mais je comprends peut-être un peu qu ce que tu veux dire. C'est vrai qu'avec tu sais, les philosophies du processus, les choses qui, on dirait, où les gens arrivent juste après le naturalisme, ce ne sera pas encore une vision où euh, il y a vraiment dans un espace final. Là, euh, si ça va peut-être juste parce que c'est une métaphysique qui est plus émergentiste à la base. Si les gens, souvent les gens qui se ramassent là, ils ont commencé avec quelque chose de plus matérialiste comme position. Puis euh, ensuite, ils doivent rajouter des choses pour que ça devienne plus riche, mais veut, veut pas, ils ont comme commencé un peu dans la confusion veut, veut pas euh, leur métaphysique. Puis après ça, c'est dur euh, de, de concevoir ou d'admettre qu'il y a vraiment. Des, des formes immuables, des principes immuables, comme un but final à, à toutes les choses. C'est dur d'accepter la cause finale, souvent dans ce genre de métaphysique-là. Peut-être qu'ils vont l'accepter localement, mettons, des systèmes biologiques qui ont des fins. Mais l'idée que toute chose a vraiment un but, puis que l'univers complet a un but, c'est des choses qui ont vraiment de la misère à, à accepter d'habitude. Mais je pense que c'est comme une conséquence d'avoir commencé avec une métaphysique qui était plus ouais. seulement émergentiste à la base. Au lieu d'être émanationniste comme on avait dans les métaphysiques plus anciennes, où là, c'était tout à fait normal d'imaginer une. Une consommation finale où euh, il y avait un, un but qui était atteint pour toute chose, puis où il y avait des, des structures qui réussissaient vraiment l'ensemble du monde, puis le monde tenait ensemble. Ça reste quelque chose de plus souvent flou puis chaotique, plus dans les eaux, comme tu dis, euh, si tu commences plus vers le bas Mais je ne sais pas si les gens comme, vont rester là pour toujours, justement. J'ai l'impression que c'est normal d'être une étape un peu philosophique du processus après le matérialisme. Euh, mais comme on avait déjà parlé ailleurs, je ne suis pas sûr que les gens peuvent vraiment rester là si, si longtemps que ça. Merci. Ouais. Hmm. On pourra on prend, on prend en reparler euh, right. des gros sujets, mais moi je suis content de la discussion qu'on a eue aujourd'hui. Je suis content, Georges, que tu ouais. continues de publier des articles. Euh, oui, c'est bienvenu. Envoie-nous ça. Euh, um... D'ailleurs, je vais être à Montréal la semaine prochaine. Je vais donner une, une conférence euh, sur, euh, sur les zombies dans une, une, une résidence étudiante. Je t'enverrai ça, puis on pourrait peut-être euh, ouais. se voir. Puis euh, je vais partager l'invitation dans la vidéo aussi ouais. si les gens veulent, veulent venir voir ça. pour, pour s'inscrire. s'inscrire que je mettrai le lien. Mais euh, venez dire bonjour, euh, je serais bien content. T'inquiète, euh... je, je peux annoncer moi aussi le 21 avril. Je vais donner une conférence à Saint-Benoît de Nurcie à Montréal après la, la liturgie. Fait que d'habitude. Euh, ça va être autour de 1 heure de l'après-midi après on a la liturgie on a un petit repas puis après ça c'est vers l'après-midi ceux que ça les intéresse c'est gratuit vous pouvez venir j'aimerais bien vous voir là aussi parfait bon ben merci tout le monde avec un peu de chance on va se croiser en personne dans les prochaines semaines ah, sinon, oui, sinon, revois, 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 on revois. se revoit dans le prochain épisode euh, dans euh, quelques semaines aussi merci Georges merci Jonathan merci tout le monde salut merci à vous